Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce dimanche 8 septembre 2024, 16 h 4 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très, très appréciés. Je suis tombé en bas de ma chaise parce que vous le savez, comme vous, je suis toujours à l'affût des nouvelles, des. Euh, des dernières nouvelles de ce qui se passe dans le monde au niveau politique, au niveau des euh, événements euh, cataclysmiques, au niveau des ovnis, à toutes sortes de sujets. Et celui-là, je l'avais manqué, mais c'est tellement, tellement... Puis Les médias n'ont pas vraiment parlé, alors que ça aurait dû tourner, tourner, tourner. Il y a un événement qui s'est produit, extrêmement pff, hallucinant. Et qui annonce peut-être quelque chose à venir, qui va lui se produire. Un événement catastrophique. Et ça s'est passé le 20, autour du 29 juin. Il y a un énorme astéroïde, astéroïde qui est passé entre la Terre et la Lune, à peu près à 100 000 km. C'est rien, alors ça, c'est vraiment rien. De la grosseur à peu près de, je pense qu'on nous a dit de la Tour Eiffel ou quelque chose comme ça. Et qui a raté la Terre de très, très peu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on l'a détecté seulement 12 jours, à peine 12 jours avant qu'il passe près de la Terre. Donc, le système de la NASA de déviation des astéroïdes, comme le système qu'on a développé, DART, dont vous avez peut-être entendu parler, aurait été inutile, tu n'aurais jamais eu le temps de réagir. Et il y en a combien comme ça qui passent sous le radar qu'on est incapable de détecter et de voir? Complètement, complètement hallucinant. Donc, puis je vous donnerai juste une idée de ce que ça aurait été comme catastrophe, cet impact-là, OK? Un énorme astéroïde qui est près d'un mille de large, qui est passé à côté de la Terre, a été détecté juste une douzaine de jours avant. Les scientifiques ont observé deux passages rapprochés de deux gros astéroïdes. Et le plus récent, l'astéroïde 2024MK, mesurait 152 mètres de large et a passé environ euh, 295 000 km de la Terre donc 100, à peu près une centaine de mille, mille le plus gros astéroïde de, à jamais passé aussi près, euh, repéré seulement 13 jours avant son approche la plus proche de la Terre. L'objet a été classé comme potentiellement <laughs> dangereux. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Un gros, astéroïde, un gros astéroïde devrait passer entre la Terre et la Lune samedi. Ça, c'était au mois de... Comme je vous disais, au mois de juin, on l'a découvert 12 jours avant. La Terre est entourée de gros corps rocheux, blablabla. Bla bla. Le fameux astéroïde s'appelle 2024MK et au plus, pl plus près, il passera environ 290 km de la Terre. Bien que de nombreux petits astéroïdes soient dispersés sur l'orbite terrestre, celui-ci est de taille considérable, avec un diamètre compris entre 120 et 260 mètres. Le point à retenir de cet événement, et qu'il s'agit d'un objet assez gros et qu'il n'a été, décou qu été découvert que 10 à 12 jours avant son passage au plus près, a déclaré Peter Brown, titulaire de la chaîne de recherche canadienne en astronomie des météores et professeur à l'Université Western de London, en Ontario. La dernière fois qu'un objet de cette taille ou de grande, plus grande taille est passé aussi près de la Terre, c'était en 2001. Wow! Mais le problème, c'est qu'on l'a juste découvert 12 jours à peu près avant son passage. Complètement, complètement hallucinant. Donc, ça m'amène à passer à cette nouvelle-là aussi qui nous a été rapportée le 25 juin. La NASA prévoit un scénario apocalyptique avec un astéroïde ayant 72 de chance de frapper la Terre dans 14 ans. Et là, on parle du fameux euh, astéoride. Euh, Laissez-moi trouver son nom. C'est Apophis, je pense que c'est celui-là, et qui devrait a avoir un impact avec la Terre dans une douzaine, peut-être à peine une douzaine d'années. Donc, l'astéoride Apophis, Apophis va-t-il frapper la Terre Ben Très, très difficile de le dire, mais euh, ça nous ramène à cet article-là du, du New York Post qui nous dit que la NASA prévoit un scénario apocalyptique avec un astéroïde ayant 72 de chances de frapper la Terre dans 14 ans. Et si un, un astéroïde jamais vu auparavant, fonçant dans notre direction, était susceptible de frapper la Terre, là, on vient de voir. Le, le, la, le fameux 2024 MK du mois de juin, le 29 juin de cette année, on l'a détecté 10 à 12 jours seulement avant. C'est le scénario, le scénario hypothétique que les astronomes de la NASA ont testé avec une simulation récente dans laquelle les responsables ont tenté de planifier un, un astéroïde qui avait 72 de chance de frapper la Terre en seulement 14 ans. Wow! Et c'est sûr qu'un scénario comme celui-là, ce serait euh, probablement euh, la fin pour plusieurs millions euh, d'individus et plus. Et plus. Je vais vous donner juste un petit aperçu de ce qui pourrait, ce qui aurait pu arriver si ce 2024, qui est passé euh, à peu près à 100 000 000 de la Terre euh, le 29 juin 2024, donc à peine. Euh, euh, deux mois, même pas, <coughs> qui avait la grosseur de la tour Eiffel à peu près. Si il avait touché la Terre, ça aurait été catastrophique. L'impact aurait été l'équivalent de 600. J'ai pris des notes, là, parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé de tellement, tellement intéressant. Je vous laisserai son lien dans la boîte de description. C'est une vidéo euh, sur YouTube qui vient de Patrick. Euh, de P, P, euh, PBD, euh, qui a une, une immense popularité et qui euh, a reçu euh, quelqu'un de très, très, très instruit et, sur ces événements-là et très euh, intéressant. Donc, c'est la chaîne de Patrick Beth David, qui, qui a des millions et des millions d'abonnés et qui, un peu comme Joe Rogan, parle de plusieurs sujets. Il avait Randy Carlson avec lui à cette euh, entrevue-là, à, euh, à ce podcast-là, hier ou avant-hier. Et euh, justement, on parlait, entre autres choses, de changement climatique, de toute la politique qui tourne autour de ça, et d'événements catastrophiques, et de celui-là qu'on a manqué depuis de, de, de seulement euh, au mois de juin, et qui a été découvert seulement 12 jours avant à peu près euh, son passage. Et ça aurait été l'équivalent de 600 mégatonnes. J'ai pris des notes là, parce que c'est hallucinant. 600 mégatonnes de bombes à l'hydrogène. C'est comme l'équivalent de 600 bombes à l'hydrogène qui explosent en même temps. Juste pour vous donner une idée, euh, Hiroshima, c'était 15 euh, kilotonnes les bombes qu'on a larguées là. Le plus gros essai de bombes à hydrogène a été effectué par les Américains dans les années 60, c'est 15 000 kilotonnes. Les Russes ont eu des bombes aussi où on a l'hydrogène où on a testé, on a fait des tests, c'était 1000 kilotonnes. L'équivalent de cet euh, astéroïde aurait été 600 mégatonnes. Ça aurait créé une boule de feu de 3000 de large, 5 km de large, provoquer un détremblement de terre de 7 à l'échelle de Richter, avec des vents à près de 8000 milles à l'heure autour de cette boule de feu, près de la boule de feu, il y aurait eu des ondes de choc qui auraient provoqué, qui, auraient, qui nous auraient crevé les tympans à plus de 30 000 à la ronde. C'est complètement hallucinant. Pour vous donner une idée, si ça avait... Ou si c'était tombé, explosé près de zones très peuplées, ça aurait évaporé un million d'individus instantanément, en causant un autre 2 à 3 millions de décès dans des effets secondaires. Ça aurait été l'enfer sur Terre. D'ailleurs, tout l'ensemble de la planète aurait eu à vivre des conséquences de ça, aurait eu des conséquences de cette explosion-là. Pendant trois à cinq ans, avec toutes les autres feux qui seraient provoqués avec la retombée de toutes ces euh, cette explosion là, et avant que toutes les cendres tombent et que tout soit nettoyé par la nature et le vent, il y aurait peut-être un 3 à cinq ans, 3 à 5 ans au niveau global d'incapacité de produire quelques légumes ou quelques productions agricoles que ce soit. complètement, complètement hallucinant. Très, très. C'est comme wow! Complètement faux! Ça nous ramène à un événement qui s'est produit euh, en Russie le 30 juin 1908, il y a 116 ans, qu'on appelle l'événement de Tunguska qui était une grande explosion entre 3 et 50 mégatonnes, juste 3 à 50 mégatonnes. Là, on parlait avec celle de, du mois de juin de cette astéroïde de 600 mégatonnes, qui s'est produite près de la rivière de Podkamenaya, Tunguska, dans le dans, dans, dans une région de la Russie, le matin du 30 juin 1908. L'explosion au-dessus de la Taïga, peu peuplée de la Sibérie, a aplati environ 80 Millions d'arbres sur une superficie de 2150 kilomètres de forêt. Et les témoignages oculaires suggèrent que jusqu'à trois personnes auraient, ont peut-être perdu la vie. L'explosion est généralement attribuée à une explosion aérienne de météores, l'explosion atmosphérique d'un astéroïde pierreux d'environ 50 à 60 mètres seulement, comparativement à ce qu'on vient de voir qui nous a manqué, Là, qui, aurait, qui était de 3000 de large et que qui, 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 pourrait, qui, qui aurait provoqué l'équivalent de de 600 bombes d'un euh, d'une mégatonne chacun. Wow, complètement hallucinant. L'événement Tungusta est l'impact le plus important jamais enregistré sur Terre, même si des impacts bien plus importants se sont produits à l'époque préhistorique. Une explosion de cette ampleur serait capable de détruire une grande zone métropolitaine. L'événement a été décrit par de, dans de nombreuses œuvres de fiction. Et euh, c'est complètement hallucinant. Imagine-toi ce qui aurait pu arriver, puis ce qui probablement va arriver. Ces gens-là le savent. Euh, mais il n'y a rien que tu puisses faire pour te préparer à un événement comme celui là 2024, tu as vu ce qui nous arrive encore, un autre événement qui, qui est passé sous silence un petit peu. Hein, cet astéroïde qui nous a manqué de peu. La NASA prépare déjà un scénario apocalyptique. On a Apophis qui devrait nous euh, visiter en 2029. Je ne sais pas, mais wow! Ça sent l'événement cataclysmique à plein nez. Je vous laisse ça dans la boîte de description.